Eh bien, salut à tous et à toutes mes petits potes, Sam Desir. J'espère que vous allez bien, les gommos. Pour ma part, ça va super. Je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo. J'ai un objectif dans le jeu, là. Enfin, j'ai besoin de quelque chose, un objectif, façon de parler. J'ai surtout besoin de quelque chose. J'ai besoin d'une amulette élémentaire, les gars. Comme vous le savez, ça coûte quand même pas mal. Ça vaut sur l'eau de Kamas, hein, les mecs. Donc, je vais la crafter, tout simplement. Et j'ai trouvé ça peut-être intéressant de vous montrer comment on peut la crafter, comment on fait, comment je fais. Bien évidemment, ça sera peut-être pas la meilleure façon, les gars, mais c'est celle que moi j'utilise. J'en ai déjà crafté pas mal à l'époque, que je me suis fait énormément de combats avec. Encore l'amulette a baissé, hein, mec. Mais sinon, à l'époque, vraiment, ça valait le coup. Normalement, je suis HDV avec un de mes personnages. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, vous voyez, la première, toute basique, même pas FM, rien du tout. On est sur du 9 millions, quoi. Et celle juste après, ça prend directement du 10 millions 2. Et si vous savez un petit peu FM, les gars, bon ben là par contre directement avec de la vitalité ça monte à 20 millions. Ouais. Si vous n'êtes pas trop gourmand en vitalité, vous en sortez une quinzaine de millions. Si vraiment vous voulez le top du top à 120 vitalité, là il y en a pour 25 millions, les gars. Donc c'est là-dessus qu'on va s'intéresser, enfin que je vais m'intéresser, que je vais vous faire partager. Le prix des ressources, après les ressources sont largement vendables à l'unité, les gars, je l'ai déjà fait aussi, pas mal de fois d'ailleurs. Il va nous falloir crafter une pierre de chaque élément, donc air, eau, terre et feu. On connaît la chanson. Et pour crafter une pierre, il faut 4 fragments de chaque élément. Du coup, premier, deuxième, troisième, quatrième, air pour le code de la pierre air et feu pour le code de la pierre feu, etc. J'en passe, les mecs. Comment donner ces fragments, les gars? Je suppose que maintenant pas mal de gens le savent. C'est un thème qui est déjà venu plusieurs fois sur YouTube, hein, les mecs. Je ne cache pas du tout, c'est clair et net. J'ai aucune. Comment dire, j'ai aucune exclue, hein, loin de là, je prétends pas en avoir une non plus. Comment moi je m'y prends? En fait, c'est tout simple, il suffit de faire quelques quêtes. Je mettrai en description, les gars, lesquelles je sais plus de tête. Ça doit être pêche en eau gelée ou je sais plus quoi. En plus, c'est une quête tiroir, donc pour arriver en pêche en eau gelée, il faut en faire 3 ou 4 avant. Enfin bref, vous voyez le délire. Le principe, c'est de dropper ses plumes vibrantes de morceaux. Donc tout simplement, vous voyez le taux de drop, hein, qui est pas archi élevé, 1,2, 1,3. Donc une fois que vous avez cette plume, vous pouvez l'échanger à un PNJ contre un API cube. Et dans cet API cube, je vais juste faire une petite pause, on va aller voir ce qu'on peut avoir dedans, comme ça, ça sera plus explicite, les gars. Donc voilà, j'ai pu trouver sur le site, le forum Jol, un peu ce qu'on pouvait avoir là-dedans. Donc je vais pas vous faire la liste, hein, pour Sky, ça va de trucs de merde à des trucs peut-être un peu mieux. Là, bon, ça coûte absolument rien, les dagues glacées peut-être encore pour les briser. Pourquoi pas, à la rigueur, allez, pourquoi pas. Bon, ensuite c'est du pain, des clés, allez, la rigueur des clés, un petit peu de soc d'or, enfin ce qui nous intéresse c'est surtout ça, les gars. Donc là où je voulais en venir, c'était de base, déjà faut dropper la plume, ensuite faut aller chercher l'appareil cube, mais bon, ça c'est facile. Et dans cet appareil cube, faut réussir à choper les fragments et ce qu'il vous faut, bien évidemment. Bon, après il y a toujours moyen de les échanger, etc. Si vous avez deux terres, peut-être qu'une personne voudra vous échanger contre deux de feu. Ou quelque chose comme ça, un de terre contre un de feu, enfin vous voyez où je veux en venir. Par contre là, tout à l'heure j'ai vu, vous voyez, une petite team là, qui XP ici. Il faudrait pas que je me fasse déranger non plus par le petit gars qui XP sa team. Bon, vous pouvez voir, on est en train de vendre quelques ressources de nos précédentes vidéos. On va voir. Bon, par contre j'ai mis des idoles un peu spécifiques, donc je peux pas faire tout n'importe quoi n'importe comment. Hop, là, comme ça sera bon. Et comme d'habitude, j'ai encore oublié une fois de mettre le son sur Dofus. Je fais ça rapidement, les gars. Voilà. Allez, on est parti. Donc, je sais pas du tout si sur ce premier combat on va dropper une plume ou quoi. Hein. Bon, là, les challenges sont importants, les gars. Dès qu'on peut les faire, on les fait. J'avoue, celui-là est un peu chiant. Mais il faut le faire. Si on peut, on le fait. Mon saut quand même qui est assez agaçant, donc on va essayer de finir assez rapidement. C'est une zone où faut pas faire n'importe quoi, les gars. Bon, là ça tape pas très fort, et encore que avec mes idoles faut se méfier, mine de rien. Mais les monstres ils rigolent pas, hein. Ils sont pas là pour faire de cadeaux sur cette zone, bien évidemment. Je vous vois venir, les gars. Non, ils sont pas archi extrêmement abusés. C'est pas ce que je dis du tout, les mecs. C'est juste qu'il faut faire attention. Comme là, je fais un petit challenge, tout ça. Bon, vous allez voir, je serais vraiment pas étonné de perdre des personnages. Hein. Bon. Après, il n'y a pas énormément de monstres, ils sont pas 8. Mais
Vous allez voir que si jamais ça barde, moi je laisse tomber Shine, tout simplement. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder avant la vidéo si j'avais fait le comment dire. Vous inquiétez pas les gars, je vais réussir à le dégueuler. Oui, voilà, si j'avais fait la quête sur tous les personnages, mais a priori oui, parce que je m'en suis beaucoup servi déjà à l'époque. Donc je devrais les avoir fait. Fumanso, faut vraiment que je le tue avant, parce que là il l'a pas fait, mais habituellement il y a un sort un peu du type l'ancienne chance des Coflips, une chance sur deux de le soigner, ou quelque chose comme ça. Bon là il n'y a pas l'air de l'avoir fait. Je suppose que c'est parce qu'il y avait un personnage à porter, je suppose que c'est pour ça qu'il l'ait pas fait. Après on va essayer de se régénérer un petit peu les gars. Bon même c'est pas important, là le combo maintenant il est fini. Hein. Si je pouvais finir celui-ci, c'est compliqué. Non, c'est bon en fait. Appeler la maman saut. Bon, cette fois-ci, les gars, j'ai pas foiré mon chaîne, vous avez vu. Vous pouvez être fiers de moi, les gars. Enfin, pour le moment. Pour le moment. Je finirai pas, hop, on va simplement bosser. De toute façon, je pense pas qu'il va me faire extrêmement de tort. Voilà, bon, ça serait quand même cool sur ce petit combo là que j'ai pris de façon aléatoire. Hein. Enfin, j'ai juste cherché le plus gros groupe sur les quelques maps que j'ai parcouru, là, c'est tout. Sinon, je vais pas chercher au midi à 14h. J'aimerais vraiment vous montrer un petit peu. Vous montrer quand même une ou deux plumes. Merde, qu'est-ce que je fais? Bon, ça, je vais devoir passer. Vous montrer quand même une ou deux plumes vibrantes droppées, ça serait super cool. Hop là. Bon. Ah, on en a une là. Donc, voyez, les gars, on en a chopé une là. Ici, on en a pas. On en a une, deux. Et trois. On a chopé trois sur ce groupe. Bon, je suis content. Hein. Ça se passe pas toujours comme ça, les mecs. Parfois, c'est plus. Parfois, c'est moins. Parfois, c'est rien. Donc, clairement, je suis quand même content. Trois, c'est. Ça me fait quand même trois potentielles chances d'avoir un fragment qui coûte 5 à 600 000 en HDV, les gars. Donc, en fait, c'est une vidéo un peu double. Hein. Ça va sûrement vous montrer comment on craft, et c'est une astuce comme moi aussi, hein. Je l'ai utilisé pas mal de fois les mecs. Donc voilà, bon, je vais faire une petite pause machin, on va aller voir un peu s'il reste des groupes intéressants, puis on sera sûrement un opening un péricule plus tard, on verra si on peut choper des trucs ou pas du tout. A tout de suite les potes. Bon les gars, je vous reprends ici, bon c'est un petit groupe, il y avait quelques étoiles, par contre je tenais à vous le montrer quand même parce qu'il y avait Econom. Donc techniquement ça pourrait être assez intéressant à voir, hein. On va se faire ça et on verra ce que ça donne. Bien sûr, faut pas que je le foire. Là, c'est notre histoire. Ça m'embête, je vais pas pouvoir finir le petit monstre. Le petit immenseau, j'arrivais pas à le terminer. Bon, ça va. Pas fait trop de tort. Bon, je sais pas si ça va pouvoir passer parce que mes personnages sont, enfin les monstres sont dispersés, donc là-dessus je peux pas choper trop les zones. C'est un peu chiant, je sais pas, on va voir. A priori ça devrait pouvoir passer, ils sont pas énormément, mais bon. On ne sait jamais. Avec moi, il n'y a plus rien qui m'étonne, les gars. Bon, là, cette fois-ci, je vais essayer de taper un peu avec les personnages qui servent à rien, le Yop et le Sram. Essayer de taper avec eux, un peu avec eux, pardon. Bon, quand je dis un peu, c'est vraiment un peu, hein, les gars. La maman saut. On va la finir. Faut penser à débuff les Fumanso de temps en temps parce que comme je disais tout à l'heure ils ont un sort du style chance des coflips qui est assez agaçant. Donc si vous pouvez le faire faites-le. Quant à moi j'ai pas pu finir le petit truc là parce que en plus c'est un sort de zone. Enfin, bon si c'est bon, j'ai réussi à le finir quand même.
essayer de finir celui-ci. Impeccable. Qu'est-ce que j'ai pas encore fait comme sur Alès? Ça que j'avais pas fait. Par contre, j'ai plus aucun souvenir de ce que j'ai fait ou pas avec les crocs. Je préfère passer les gars parce que. On va pas falloir ici près du but quand même. Mais bon, lui, j'ai pas fait la flèche écrasante. Voilà. Tac. Et voilà. Bon, c'est passé, les gars. Faut quand même que je le finisse, mais. Ouais, c'est bon, large. Je vais mettre la flèche empoisonnée, je suis certain de ne pas l'avoir faite. Donc au moins c'est fait, tant pis je perds quelques secondes, mais le challenge en vaut la peine quand même. Et on va voir si on a quelque chose à, si on a chopé quelques plumes, ça serait cool. Bon, déjà vu l'XP ça a l'air d'être pas trop mal. Oui oui oui, déjà j'en vois pas. Une, deux et trois. Bon, trois quand même, comme tout à l'heure, vous voyez, bon il y a eu économe. Enfin, je disais qu'avec 4 montes, mais mine de rien, on avait quand même 6. Donc c'était pas un si petit groupe que ça. Et comme je vous disais, avec économe ou pas, vous voyez, c'est un taux de drop assez bas, du coup ça peut. C'est vraiment c'est un petit bonheur la chance. Bon, enfin, c'est trop, c'est quand même convenable, hein, les gars, comme je disais tout à l'heure, vraiment c'est vachement bien. Hein. Ça fait l'affaire quoi. Bon, j'y retourne les potes et puis on se revoit tout à l'heure. Hein. Je vais juste pas faire le petit cut là tout de suite parce qu'on va essayer de voir un peu ce qu'on a en challenge. Si on a un challenge assez sympa, on va faire ce groupe ensemble, les mecs. Verso, ouais, bah écoutez, y a pas de raison. Quand ils sont regroupés comme ça, c'est super les gars. Vous imaginez bien. Les plus agaçants, c'est vraiment les fous manceaux hein, avec leur, leur sort de merde là. C'est vraiment les plus chiants. Sinon, le reste, ça va. J'aimerais bien pouvoir tuer celui-ci. Juste... Ah, ça passe. Nice. Ça, c'est cool. Et ça expère un petit peu, mine de rien, c'est pas oufissime, mais un peu quand même, c'est toujours cool à prendre quoi. Hop, on va passer tranquillement. Avec l'énu, c'est cool quand vous avez un énu ou un sadique, quelque chose comme ça qui débuff, au moins ça vous fait gagner un petit tour de sur leur boost là, enfin sur leur sort à la con. Donc, c'est toujours assez sympa. Et voilà, ce combat, on l'a fini. Impeccable, un petit peu d'XP, c'est cool aussi à prendre. Bon bah vous voyez là, comme quoi, on n'en a pas une seule. Comme je vous le disais, il fallait un petit exemple, hein, bien sûr, pour imaginer la chose, mais pas une seule. Donc bah voilà, tous les potes, hein. Vous voyez un petit peu ce que... vraiment les extrêmes. Bon, j'y retourne, on se retrouve tout à l'heure les petits potes. Hein. Bon, les potes, je vais vous reprendre juste ici. J'ai un petit combat full étoile jaune. Donc, avec un petit challenge, ça devrait. Ah, bah, nice, les gars, putain, j'ai de la chance. Hein. On va essayer de faire notre mieux, les gars, ça devrait être extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Encore une fois, tout dépend, mais ça devrait quand même être vachement cool. De toute façon, le challenge est intéressant, le groupe est intéressant. Donc, il n'y a pas de raison que je le montre pas. On va voir ce que ça va donner, les gars. Il y a juste le fou de manceau, comme d'habitude, que je vais devoir me méfier parce que. Ça peut arriver que je foire Blitzkrieg, pardon, justement à cause de son sort, quoi. Tout simplement. Bon, bah les gars, je viens de foirer mon challenge. Ça me fait chier.
C'est aussi un des problèmes à commenter et jouer à la fois, c'est que on se disperse un peu. Faut essayer de pas trop dire n'importe quoi forcément. Puis bah finalement on fait pas attention à quel monstre on doit jouer avant, après, ou comment faut les attaquer du coup. Bah, je suis un peu déçu, je vous avoue, hein, les gars, c'est quand même. Ça devait être 180, quelque chose comme ça, je suppose, le screen. 135. 135% en moins de chance. Sur ce type de ressources, c'est quand même intéressant les challenges. Mais bon, tant pis, les gars. Je vais faire 100. Avec un peu de bol, qui sait. On aura peut-être mieux. De toute façon, c'est tellement aléatoire le drop que. Je me fais pas de soucis. Si je dois dropper, je dropperai, puis c'est tout. Là-dessus. Bon, au moins, ça aurait été un combat rapide, les gars. C'est déjà ça. Hop, et voilà. Bon, bah, malheureusement, pas de challenge. Et. Même pas de plume les gars, c'était The Combat Troll hein, pour le coup. Pourtant on a 91% de bonus avec les étoiles, bon dommage pour le challenge, mais même pas une seule petite plume. Ça m'emmerde un peu, bon bah tant pis les gars, tant pis, c'est ma faute de toute façon. Et bien re les gars, hein. Encore un petit combo, je pense que ça sera peut-être l'un des derniers quand même que je vais filmer, mais celui-là m'intéressait parce qu'il y a quand même, presque toutes les étoiles, 7, 8, 8 étoiles. Donc ça va être extrêmement sympa à faire encore une fois. Bon, cette fois-ci challenge joue rien les gars, enfin mis à part si vraiment c'est un challenge de merde. Mais sinon les gars, challenge joue rien parce que c'est tout, j'en ai assez de me ridiculiser sur les challenges. À un moment ça vaut 2 minutes les mecs. Bon au final pas celui-là. C'est celui que j'oublie tout le temps les gars. Bon, on va essayer de pas l'oublier, mais enfin. Ça risque d'être hyper compliqué les gars. Bon, j'ai déjà passé le premier personnage, c'est déjà pas mal les gars. Ah là 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 là. Bon, faut que je fasse attention avec les crocs parce que du coup faut pas que je termine avec un PO. Bon, j'aurai toujours la balise à passer au cas où, mais je l'ai pas surtout les crocs pour la balise. Alors on va se méfier, on va se méfier. Dommage hein, parce que le challenge n'apporte que 45%. Bon, vous allez me dire 45% c'est 45% les gars. Hein. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Hop, c'est fait. C'est au tour des petits personnages, ça va devenir plus compliqué à respecter le challenge. Voilà, lui c'est fait. Le yop. Faire une connerie les gars. Qu'est-ce que j'ai à 4 PO là? L'épée du destin. Les nunus. Et voilà. Bon, oula. C'est bon. J'avais une drôle de prévisualisation les gars. Mais bon, tant mieux, tant mieux. Alors, une, deux. Oh là, 2 directement les gars. 3, 4 et 4. 4 sur ce petit combat là, on a de la chance, on a chopé 2 d'un coup. C'est vraiment pas mal les gars. C'est rare que ça arrive, hein. Ça m'est vraiment arrivé beaucoup de fois, mais tant mieux les gars. Bon, bah, je suis vraiment content de vous avoir montré ce petit combo finalement. Hein. J'étais un peu dubitatif vis-à-vis du challenge, mais finalement j'ai bien fait les mecs. Bon, re les gars, je vous reprends. Bah là, pour l'opening du coup des apéricules. J'avais commencé, j'avais une petite quarantaine, je crois, de plumes. Du coup, j'en ai fait presque 15 ou 20, je sais pas, du coup, parce que j'ai mon PC qui a complètement crash par rapport à une mise à jour. Du coup, bah, j'ai perdu la moitié de ce que j'ai fait. Par chance, j'ai pu screen mes ouvertures. Donc, on aura une partie en screen et on verra où est-ce que je vais classer, enfin, où est-ce que je vais placer
comment dire, où est-ce que je vais placer les screens, je sais pas encore exactement, mais on va finir déjà ça ensemble. J'ai pas tout perdu déjà, ça sera déjà pas trop mal. Donc vous voyez, hein, c'est tout simple, vous parlez au PNJ, hop, on accepte, et puis voilà les gars. Une baguette des glaces, un pain de frosties, bon, on n'a pas eu de chance sur ce côté-là. Avec celui-ci, où est-ce qu'on en est? Bah tiens, je vais me débloquer un succès. Rien de foufou. Oh bah merde, je crois que j'ai bouffé toute ma chance sur le bug de mon PC en fait. En vrai les gars, je commence un peu à paniquer. Ça serait quand même con de ne pas vous proposer drop. Bon, si c'est pas le code, tant pis, hein. C'est pas grave, c'est quand même quelque chose à vous montrer en fait. Hein. Puis c'est quelque chose dont j'ai besoin tout simplement. Donc, remarquez aussi qu'on gagne un petit peu de coma et d'XP en validant l'enquête, donc c'est toujours sympa. Hein. Bien évidemment que c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Hop les. Bon. Alors, un premier fragment d'air, ça c'est cool les gars. 780 000. Un commos de glace, un mangeoir de bambouto machin, on s'en fout. Une petite clé, allez pourquoi pas. Ah, notre fragment les gars. 813 000, bon ça va, ça ravive, je suis quand même content, je suis plus content là du coup les gars. J'avais un peu peur, je vous avoue. Il nous reste encore pas mal de plumes hein, malgré tout. Accepter, voilà. Accepter. Ah ouais mince, d'accord. Je fais les choses à l'envers. Tac, j'essaie de me dépêcher les gars pour que ça soit le plus agréable possible, bien évidemment. Hop. Une potion de machin, on s'en fout. Un bocal, on s'en fout. Une potion Red Bull, on s'en fout. Et un jus de coca, citron, on s'en fout. C'est vraiment tout ou rien, les gars. Vous voyez, c'est ce petit bonheur à la chance. Hein. Vraiment, autant le sur 6, j'en ai eu 2. Et sur une petite dizaine, j'en ai pas encore eu. Enfin, mis à part les 2, j'en ai pas eu. Ici, ah, un troisième fragment de terre, ça c'est cool. 767 000 estimés, c'est cool. Et un pick-up là, ça s'en bat les couilles, hein, les gars, clairement. Hop. Bon après ça il nous restera encore deux persos quand même, on est à 3 ou 4 fragments sur cette petite partie de vidéo et tout à l'heure j'ai dû en prendre 4 ou 5. On va regarder ça juste après les gars. Hop. Un quatrième fragment d'eau, ça c'est cool les gars, putain on sait pas mal. Oh là 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 là, bah c'est merveilleux les gars, bon dieu. Non. Regardez-moi ça les gars. Putain je suis vraiment content hein. Une viande exhaustive, bon faut pas trop demander non plus les gars, on va peut-être pas abuser, mais là déjà rien que là on est presque à 3 millions, bah, un petit peu moins, 2 millions 5 on dira. Mais vraiment c'est cool 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 les mecs, je suis vraiment heureux. Ça en valait la peine hein, les gars. Accepté. Et c'est vrai que ça fait quand même vraiment plaisir, bon deux clés, allez pourquoi pas. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir un peu ce genre de drop, ça change de l'habituel hein, bien évidemment. Bon, ça vous rendra, je suppose, pas milliardaire. Bon voilà c'est tout. Ça vous rendra, je suppose, pas milliardaire, mais bon, voilà, pourquoi pas vraiment les gars. Bon, je vais réunir tous ces petits trucs là sur mon personnage principal. Après j'irai voir où on en est, ce qui va me manquer. Bon ici j'en ai pas. Bon ça pourrait être intéressant de vous montrer un peu ce que volent les ressources, hein, mais. Bon, quoi qu'il y a quand même 216 000 commos sur chaque personnage, bon c'est surtout de la viande, le reste c'est de la merde. Autant être honnête, donc si c'est pas le principe de la vidéo les gars, on va pas s'emmerder avec ça. Donc, si je prends juste les clés. Bon je réunis tout ça les gars, on se retrouve. Et bien voilà les gars, j'ai pu réunir un petit peu toutes les ressources sur tous mes personnages. Enfin sur tous mes personnages. Sur mon croix principal, les ressources, hein, quoi qu'il y en a pas une centaine de ressources. Hein. C'est juste le fragment, c'est quand même très rapide à faire. Bon juste pour petit rappel, là j'ai le bilan hein, en tête, je l'ai vu bien évidemment. Mais juste pour petit rappel, j'avais oublié de vous dire, on avait commencé à dropper à 18h30, quelque chose comme ça, je vous invite à aller vérifier si vous voulez les gars. Bon, le temps de mon crash, tout ça, allez, on va dire que j'ai droppé une heure et quart, comme vous pouvez le voir sur la screen, de toute façon à 19h15 à peu près, je faisais mon opening, 19h15, 19h20, donc ouais, même pas une heure les gars, bon, on va dire quand même une heure, tranquille, allez, une heure, on va se baser sur une heure les gars, je vais pas tricher, on va dire une heure, et bon, sur une petite heure d'opening les gars, vous allez voir ce que ça donne. On est sur du, pas du 15 millions parce qu'il y a des idoles, sur du 9 611 252 comme les gars, si c'est pas quand même énorme ce que je vous présente, parce que bien évidemment il y a une partie de chance,
J'ai peut-être pas eu le maximum de chance, bien évidemment, j'en suis conscient aussi, j'ai pas eu le minimum de chance là-dessus, je suis vraiment d'accord avec vous. Rien que sur le tour de Ligne, les gars, on ouvre déjà trop fragments d'un coup, c'est rare quand même. Hein. D'ailleurs, ça en fera peut-être pas miniature, je vous avoue, les mecs. Donc, on verra, je vais voir, sauf pour le moment, je suis pas encore en train de monter, enfin, je suis pas, oui, voilà, exactement, je suis pas en train de monter. Donc, bah, les gars, si ça vous a plu ce petit truc, bien évidemment, je sais encore pertinemment que pas mal d'entre vous connaissez cette technique, mais bon. Pour rappeler quand même à certaines personnes, Dofus c'est une communauté qui évolue, hein. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, des anciens qui perdent, des anciens qui reviennent, etc. Et c'est peut-être pas non plus une technique à inscrire sur tous les murs des villes, hein. Je veux dire, bon, quoi qu'il en soit, si vous le saviez, c'est bien les gosses, ça fera toujours une petite vidéo sympathique qu'on retourne ensemble. Si vous le saviez pas, ben voilà, ben vous savez comment on peut se faire un peu des camos comme ça vis-à-vis du lac gelé, etc. Quoi qu'il en soit, les petits potes, je vous invite à vous abonner, à laisser votre petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir, les gars. Vous savez le faire de toute façon maintenant. Bon, je suis habitué à vous me faites toujours, vous me régalez de toute façon. Et voilà tout, les potes. Hein. Moi, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne vidéo. Enfin, j'espère que cette vidéo aura été agréable pour vous aussi, autant que votre soirée. Et je vous fais plein de bisous, on se retrouve plus tard, les gars. Bye.